Les avancées qu'a connues la Côte d'Ivoire dans l'accessibilité géographique, mais également dans l'accessibilité financière aux soins à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara sont notables. Sur 6359 personnes reçues, 2200 ont pu se faire traiter malgré leurs difficultés financières. Des personnes dont le coût total du traitement s'élève à 2 600 000 francs CFA ont pu se traiter d'abord et payer secondairement, mais également progressivement. Le CNRAO a 2 appareils de radiothérapie. Depuis le mois de juin 2021, l'hôpital a fait une nouvelle acquisition. C'est celle d'un plateau technique de radiothérapie à 2 niveaux, au-dessus de celui qui était là à l'ouverture. Le challenge, c'est de toujours être à l'évolution au niveau de la technologie. Il est autonome dans sa gestion. En dehors de la radiothérapie, nous faisons aussi de l'oncologie médicale, c'est-à-dire la chimiothérapie et d'autres traitements ciblés du cancer. En plus de ça, nous avons une pharmacie, nous avons un laboratoire d'analyse biologique. Et puis, en dehors de tout ce qui est soins spécifiques du cancer, nous faisons également des soins d'accompagnement. Nous avons également innové, en plus des consultations présentielles, nous faisons de la téléconsultation. Le cancer n'est pas une fatalité, il se guérit de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. Depuis l'ouverture du CNRAO en janvier 2018, les patients viennent de partout à travers le monde pour se faire soigner. C'est un hôpital public dans lequel aucun traitement n'est retardé ou n'est arrêté parce que quelqu'un n'a pas payé. Donc en plus de cette politique sociale, il y a également des prises en charge institutionnelles, notamment la présidence de la République de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé à travers le Conseil de Santé qui appuient énormément de personnes. Un dispositif social est mis en place au sein du CNRAO pour donner la possibilité de commencer à se traiter sans payer, puis de proposer un rythme de paiement par fractionnement, de bénéficier d'une remise, de payer un acompte à la hauteur de la disponibilité financière.